Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle région, nous allons tenter de la découvrir et de revoir un petit peu ce qu'on peut y trouver en termes de nouvelles armes et de nouvelles améliorations d'armes. On va aussi profiter de cet épisode pour se changer de physique, hein, entre guillemets, de vêtements. Je pense qu'on va essayer de les accorder à la région, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait entre deux pour vous montrer le nouveau charisme du Marcus. Je vais tenter de vous montrer une nouvelle région et voir ce qu'on peut en faire. Ok, il y a des espèces de petites montagnes vertes. J'ai l'impression que c'est... Ah. J'ai dit vert parce que j'ai l'impression qu'il y a... Planque rebelle et el vaquero. El vaquero. Yo no soy marinero. Sol capitán. Ça n'a pas l'air si vert que ça, finalement. Donc... Ok. Temps de gagner en altitude. Wow! On approche de la carcelle del Pueblo. C'est ici que le cartel garde prisonniers les chefs rebelles. Intéressant! Ils pourront peut-être nous regarder. On va aller par là maintenant. Sur les disparitions. Alors c'est vrai. C'est rigolo parce que la région elle est assez petite finalement. Donc je m'attends bien à des combats un peu plus denses finalement. Ce qui est intéressant pour une région basée sur la sécurité en termes d'objectifs, si je puis dire, de commandes. Déjà vous voyez, on voit déjà des postes de sécurité un petit peu partout. Ok, cool. Cool. Bon et maintenant on doit aller par là. Petite remarque que je pourrais faire, c'est que je ne vois pas du tout de petits intels normaux, vous savez. Les intels de base. Donc ça m'étonne. Pourquoi pas, hein, mais ça m'étonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de gare ferrocarriles. Ouais, gare ferroviaire, quoi, j'imagine. Ça devait vouloir dire ferroviaire. Oh, regardez ça, à gauche. Putain. Ça c'est beau, on arrive vraiment à avoir des jeux de malades mentaux maintenant. Et ça va en s'améliorant encore. On croirait que ça s'arrêterait, mais en fait non. On continue encore et encore, c'est que le début. D'accord. Ok, bon on va accélérer un petit peu le mouvement parce que j'ai l'impression qu'on va pas vite. Grosse fumée noire à gauche. Pourquoi pas. C'est ça que j'ai. Ouais, je voulais pas zoomer à fond. Il y a une intel là-haut. Regardez, ça aussi, ça fait très fortifié, encore une fois. Là, je pense qu'une arrivée par le haut. Cela dit, ouais, voilà. Ça fait fortifié, mais on a peut-être des points de vue assez sympas pour sniper. Donc ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Hop. Je me regarde un peu, parce que je sais pas trop quelle position j'ai, finalement. Vis-à-vis de la cam. Faudra peut-être que je tourne un petit peu l'écran vers la cam comme ça pour être un peu plus comme ça, vers vous. Je sais pas. Ok. Donc il y a du monde en bas, on fait attention. Là il y a un intel qu'on ira sans doute chercher. Je vais passer là d'abord, mais après on va chercher l'intel. Hop. C'est tout ça, me l'avoir débloqué tout de suite. Ah non, je pensais que la vision, vous savez, le fait de regarder dans la bonne direction. Parce que bon, 1 km en hélicoptère, c'est rien quoi. T'es sérieux? Je vais me bouffer un missile? Je me suis tourné vers le missile, là on est d'accord. Hein. Et je suis encore en vie! Oui monsieur! Et il va se téléporter pour me soigner! Oui! Oui! Voilà! Boum! Non, tout va bien! Tout va parfaitement bien. Lieutenant. Par contre, ça fait plus chier. Bon, on y va, hein. Eh, je vais pas me faire chier, hein. Oh, il se déplace vite.
Oh, il se déplace vite. Il roule en quoi, lui? En Lamborghini? What the heck? Puis il se barre loin. Hein. Bon, bah, si t'as pas envie d'être avec moi, t'as pas envie, hein. Mais... Fais chier quand même. Mais du coup, il n'y a aucun intel. Si, là, apparemment, ils n'ont rien. C'est un intel quoi? Cache d'intel. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresserait, moi. Et ça, cache d'intel aussi, je pense. Ok, cool. Cool, 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 cool. Il y en a un juste là. J'irai bien. J'irai bien, j'irai bien comme ça, de la même manière. On s'emmerde pas. On s'emmerde pas, chers amis. On va aller récupérer max intel. Voir un petit peu ce qu'on peut récupérer dans la région. Parce que j'aimerais bien trouver un autre sniper. J'aimerais bien changer de snipe un petit peu. La région a l'air pas particulière en termes de costume. Du coup, on peut-être changer de costume maintenant. Finalement. Détail de corps. Je peux avoir un tatouage au bras droit. Pénitence. Et DJ Pelico. Oh, c'est joli. C'est joli. Tatouage bras gauche, du coup bah, je ferais bien DJ Perico aussi. On peut pas avoir les ailes des deux côtés, c'était joli. On va mettre lequel? Celui-là. Détaillé traditionnel, est-ce que j'ai le même? Ouais, voilà. Crac, ok. Bon, peinture faciale, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Tenue spéciale. Non. Costume. Poste, ah oui, donc sans costume. Voilà. Tête. Non, jusque là tout va bien. Vêtements. Vêtements, 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 vêtements. Je vais enlever la grosse armure de seconde. Histoire d'avoir le temps de... Hop. Oh tiens, on va se mettre en assassin du dimanche. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, chiant. Hop. Voilà. Attendez, c'était où? Il est où le polo? Ah, j'ai pas blanc, blanc, blanc. Ah si, j'ai blanc là. Ah, cool. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai droit à un petit short? Non? Pas avoir le droit à mon petit short? Ah, je vais pas avoir le droit à mon petit short. Ah, bah voilà. Ça y est, c'est à la fin des haricots. Mon petit jean, du coup. Pas mon polo, du coup, parce que là, j'ai pas si mal. Hein? Oh. Oh. Le Marcus des temps modernes. Chaussures de rando. Oh, oh oui, j'aime bien sa botte de travail. Pas de... Oui, non, pas de... Bref. C'est con, j'aimerais bien juste un truc très simple. Un gilet simple, vous savez pas. Bon, bah tant pis, ce sera 100. Hein. Accessoires, les yeux. Il faut des lunettes de soleil. Un cache-œil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh! Non. Le cigare, il est tellement magique. Y a pas un simple bandeau que je puisse garder ma coupe de cheveux sans. Ce chapeau. Non, y a pas. Bon bah rien, tant pis. Voilà. Crac. On va mettre celui-là. Ouais, celui-là. Non, ça fait un peu pilote d'hélico. Pas la peine. Les gants, que dalle. On va voir ses mains. Sacré de drone, c'est très très bien. Les cuissons. M'intéresse pas finalement. Il n'a pas du tout de lunettes, bien.
C'est nul. Même le cacheux, c'est nul finalement. Oh là 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 là. Allez, pimp. Pimp Marcus. Voilà. Voilà, pimp Marcus, c'est bon. On est bon, on peut y retourner. L'Intel, le premier. D'une longue lignée. Ouais, ouais, prends les commandes. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Salut! Téléportation! C'est quand même magique. C'est quand même absolument magique. Hop. Crac. On est en position. Cible repérée quand tu veux. Je déploie le drone. Où sont les autres? Là. Je vois une deuxième cible. J'ai un sniper en visuel. Il me tourne le dos, donc ça va. Ok, donc je m'occupe de la deuxième cible, hein, finalement. C'est bon, je l'ai eu. Bonjour, monsieur. Ils sont pas doués, hein. Cible avec des pistolets mitrailleurs. Je désigne un ennemi. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. C'est tout ? Je rejoins la position. Reçu, je vais me placer. Cible marquée. Reçu, on vient me chercher une position de tir. J'avais le tank parce que j'ai peur qu'il arrive pas à l'abattre. Ouvre le feu. Merde, ils ont trouvé un corps. Oh non ! Il a pas eu le temps, j'étais trop rapide pour tirer ensuite suite à la désignation de la cible. Ok, c'est bon. On y est. Cool. Ok, l'entrée. Enfoncer la porte, c'est bon. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Boom, bitch. Ça, c'est cool. Hop, point de compétence. C'est pas celui qui m'intéressait le plus dans le tas. Alors maintenant, si je veux aller sur un truc sympa, il faudrait que je prenne de là et que j'aille là, ça sera rapide. Hop, on pourra aller voir ce qu'il y a à ce point, en tout cas, de base, qui nous est gracieusement désigné. Je rappelle qu'il y en a 3, je crois, par région. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un pays ennemi, on a un nombre de bases complètement incroyable. Hein. Ah, il y a pile ce qu'il me faut, tiens, regarde. Il n'y en a pas une rouge juste à côté, là? Non. Bon, bah la noire, alors vendue, hein. C'est parti, mon kiki! Porté, je vous rejoins. Oui, bah écoute, tu vas te téléporter, hein, parce que. Et je vais mourir. C'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien, tout se passe parfaitement mal. Prenez votre temps, les mecs, y'a pas de soucis! C'est ça le pire, c'est qu'en plus ils prennent leur temps. Regardez, y'en a pas un qui court vers moi, hein, mais il va se téléporter. J'espère. Ça y est, il y en a un qui vient. Et il a fini par se téléporter quand même. Phew. Eh bah ben, putain les mecs, vous êtes nuls hein. Je suis pas bon mais vous êtes nuls hein. La moto. Y'a ma moto qui a cassé. Y'a ma moto qui a cassé. C'est parti. C'était quoi, c'est un ptérodactyle? Vous avez vu l'ombre? Ouais bah j'irai pas au point de contrôle comme ça, hop. Le problème est résolu. C'est bon, tout va bien. Hmm.
pensais que ça allait être compliqué de rentrer, mais en fait non. J'en vois un autre. Jamais. Ok. Avec lui, ça fait 5 ennemis désignés. Il m'en reste un. Il m'en reste un. Oh non! Putain, du grillage par balle, tu te fous de ma gueule? Diversion. Les rebelles se fritent avec la Santa Blanca. On les rejoint. Je suis dans leur dos. Tu veux bien changer de main ? Quoi ? Ouah ! Le malade. Le malade. Alors je tiens à rappeler, regardez qu'il y a des bleus et des verts dans toute la zone et c'est moi qui ai tout fait. Putain. Hop. Bonjour. Caisse d'équipement. Voilà, c'est tout ce qui m'intéressait. Vas-y, fais péter. Oh, il y en a une juste à côté. En tout cas, je crois que c'est pas loin en tout cas. Fusil de sniper allemand semi-automatique. En termes de dégâts, il est pas magique. Mais bon, fusil de sniper quand même. Pistolet mitrailleur, il y a que ça. Hein. Il y a vraiment que ça dans le jeu. Donc il y a deux caisses d'armement. Donc on les a tous sous les yeux. On est là, on pourrait y aller, cela dit. On pourrait y aller. Surtout que j'ai cru voir des motos. Donc on pourrait y aller en coupant comme ça. À travers champs. Oh, grosse moto, oui. On y va, on va rigoler. Hop. S'il y a des cailloux, je suis mort. Ça va. Cactus. Cactus. Caillou. C'est bon. Tout va bien. Ouf. Ouf, allez. Elle est en carton cette moto quoi. C'est quand tu vois comment il la soulève. Regarde ça. Ok. Sympa l'endroit là par contre, hein, je veux pas dire. Ah putain, regardez ça. J'ai mes phares parce que je suis quelqu'un de responsable. Ah bah j'y arrive dans la base ennemie en fait. Cool!
Quoi? Trop éloigné des autres, j'imagine. J'ai un sniper en visuel. T'as un poil de décalage aussi. Ok. Oh, une rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche des infos? Putain, elle est rouge. Elle est rouge ou elle est orange? Un sicario. Il a un minigun, le salaud. Du côté de l'héliport. Combien je peux m'en faire? En tirant ici. D'ici, pardon. D'ici, comics. Ah 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 ah. T'es tout seul? Oh. La beauté de ce tir. La beauté de ce tir. Tu t'arrêtes? Bah oui, arrête-toi, t'as raison. Oula. Ok. Hey, 300 mètres. Bon, je vais envoyer le truc parce que j'aimerais bien ça. Ah bah. Juste à côté de la pile de pneus. Ah bah voilà. Service de nettoyage. Bonjour, j'ai passé un coup de balai. Je te raconte pas. Apparemment, il y en a encore un là-bas, précisément, non? Ah non. Non, c'en est pas un, ça. Voyons notre drone. Voir ce dont il retourne. Alors je vais commencer par aller récupérer l'arme, par aller récupérer. Avec les infrastructures de cette taille, les cellules s'ouvrent automatiquement quand le courant est coupé. Donc on fait sauter la génératrice. Il faut déjà la trouver. En avant. C'est quoi qui me cause? Ah oui, d'accord, c'était la prison, la fameuse prison, j'imagine. Ok. Cela dit, ça me dit toujours pas. Ouais, il doit y avoir du monde. Gaffe, y a un mécanisme d'alarme. Genre à l'intérieur. Aïe, ici. Je vois une deuxième cible. Mes sœurs, mon ami, y a absolument aucun souci. Oh putain. Oh non! Oh non! Ah non, là je suis vexé. Balle dans le pied. J'attends qu'ils viennent, moi perso. Tu veux que je te dise? Putain, t'es sérieux, bonhomme? J'ai une solution de tir. Bah, tire! Oh! Merde, je voulais envoyer l'IEM. Quoi? T'as des fois, t'as sauté deux fois plus haut. Ah, c'est sur les cailloux. Les cailloux, ça l'a tué. Il a pas apprécié les cailloux. L'avantage, c'est que je vais être moins traqué, non? L'hélico approche.
Oh non, t'as rien vu. Non, non, t'as rien vu. Putain, t'aurais pu aller là-bas, celui-là, merde. Voilà. Non mais c'est bon, l'hélico, tu te calmes. En plus, il y a un passage par en dessous, quoi. Non, mais oh. Tu te foutrais pas un poil de ma gueule. Comme une mierda, coleros. Bref, c'est pas ici que je cherche l'ennemi. Hors de portée. Donc cette zone m'intéresse pas, on est toujours traqué, il y a toujours l'hélico. Ils vont nous oublier bientôt de toute façon. On va aller chercher l'arme pour commencer, c'est peut-être un bon départ. Et donc voici le fameux sniper allemand. Le G28, connais pas. Connais pas. Le cartel garde ses prisonniers stratégiques dans un camp en altitude nommé la Cárcel del Pueblo. Libérez les prisonniers et découvrez ce qu'ils savent sur les disparitions. C'est bon, y a pas de casse. Non! Putain, mais c'est quoi la pression de ce flingue? Pendu là-bas, on est d'accord. Oui, sauf que là, j'ai pas me viander. Hein. Là, je suis largement à portée pour ça. Apparemment, il y en avait une deuxième. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent. Hop. Je désactive la génératrice de la prison. Les cellules doivent être ouvertes. On devrait parler aux prisonniers et voir ce qu'on peut apprendre sur les disparitions. Allez, monte ta tête! Monte-moi que t'as, dis-moi que t'as des couilles! Allez, vas-y, 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 vas-y! Putain, mais touche, mon dieu! Wouh! Ça a chié, ça a chié! Tiens, regarde si ça a chié! Mes trois plombs à recharger en plus. Stress. Ça touche au moins ou pas? Bon, apparemment de toute façon, je fais rien. Donc comme il veut pas descendre, il a trop peur. Coucou, ça va? Belle moustache. On essaie de comprendre ce qui arrive aux gens qui disparaissent.
l'assassin de Matteo. Ce qui leur arrive, c'est... El Pozole... Bonjour. Marmiton, mais qu'est-ce qui fait des corps? Ils sont où? Ils fourrent les cadavres dans des barils de pétrole qu'ils recouvrent de... les rias. Comment on dit en français? De la soude caustique. Si. Sosa caustica. En quelques jours, les corps dans les barils, il en reste plus grand-chose. D'accord. On a un nom. Il faut qu'on se rencarde sur El Pozolero et qu'on sache comment l'atteindre. Sans lui, pas moyen de retrouver les restes des victimes. Ouais, sauf qu'on en a un petit peu autre chose à foutre que de retrouver des restes de victimes, sans vouloir être méchant, hein. On n'est pas là pour faire des funérailles pour tout le monde. On est là pour libérer la région, c'est pas pareil. Ok, bon, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Mercus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo !